Hey, what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Programme biceps maison avec Alter en 10 minutes, ok? Aujourd'hui, on va faire un exercice cool. Je te rappelle, on avait fait le cœur là, en unilatéral, qui m'a fait bien mal et qui m'a fait chier d'ailleurs, d'accord? Là, aujourd'hui, on va faire la même chose, mais les deux en même temps, d'accord? Donc, normalement, ça va être beaucoup plus cool. Ça va faire mal, mais ce sera beaucoup plus cool, ok? Prépare tes haltères, prépare ton eau. Moi, en l'occurrence, je vais prendre mes EAA avec moi. Hop, cela. Et ça va bien se passer parce que c'est le quatrième programme que j'enchaîne, ok? Bon, je te laisse te préparer et on y va. Alors, bam, je balance le chrono. Si t'es un peu sensible des poignets, mets tes bandes comme moi. C'est parce que je sais que cette prise-là, malheureusement, et avec ce que je fais au travail, j'ai mal. 3, 2, 1... On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, voilà. Pour l'instant, on est good. Je te ferai un test objectif sur ces EAA à la fin du mois. D'accord? Enfin, à la fin du mois d'octobre. Parce qu'on est fin septembre, à la fin du mois d'octobre. Ok? Je te ferai un objectif, enfin, un avis objectif sur ça. Parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Allez. Ce qui est bien, c'est que là, comme l'exercice où on faisait les deux en marteau, j'ai un peu de temps, je pourrais parler. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ouh, je suis désolé, j'ai pas expliqué. Parce qu'en fait, ouais, je sais que je le dis à chaque vidéo, je redis la même chose à chaque fois. On a 10 minutes, on fait 10 exercices, mais bon, si tu regardes et tu suis, c'est que tu connais déjà, hein. Si tu me connais pas, moi, t'as la playlist, et t'as forcément une où j'explique au début, d'accord? Mais le plus important, c'est que quand je pars, tu pars, ok? Ça, c'est la phrase clé que j'ai à chaque fois. Quand je pars, tu pars. Quand je m'arrête, tu peux continuer, mais quand je pars, tu pars. Ok, 5, 4, 3, 2... 1, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je vais faire peut-être en tout 5 programmes biceps avec haltères. Là, je t'explique, j'allais au travail, après, à vélo, il me reste 2 heures. J'allais au travail à vélo, mais sur mon vélo, je serais congestionné dessus. Ça va être incroyable. Ah, je vais pédaler sans les mains, parce que là, j'aurai des crampes. Faudra pas qu'on me dise de ranger les poids à la salle. Ah ouais, parce que là, je dois ranger les poids à la salle. Là, ça va être incroyable, je le sens. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je sais que je ne l'ai pas précisé aussi, mais serre bien les abdos. Essaye de rester droit. Essaye de pas te faire emporter par la charge, d'accord? Fais un mouvement propre. C'est important. Si tu sens qu'à partir de 6-7, tu bouges un peu, tu vois, c'est normal. Le mouvement propre, bah, au début c'est bien, mais au bout d'une certaine charge et tout, tu peux pas faire que tu propre malheureusement. C'est mieux comme ça les EA, parce que les EA, à un moment donné, j'avais trop dosé. Et c'était pas bon, mais là, ça va. 3, 2, 1, on repart.
Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Très très bien. Où est-ce que je faisais par rapport au EAA, même si je vais faire une vidéo dessus, mais bon, ce sera pour les guests qui suivent cette vidéo. Tu vois, dedans, la petite scoop, c'est une pelle, le bordel, tu vois. Et moi, j'ai toujours pris des scoops de whey et tout. Là, j'ai pris une pelle dans un seau. Enfin, j'avais fait ça un jour. C'était imbuvable. Ça avait un goût de farine, le truc. Ça avait un goût de sable. Je sentais plus le goût de la framboise. Maintenant, c'est framboise. Mais là, ça va, j'en ai mis un tout petit peu. Ça va, c'est bon. C'est buvable. Donc, je pense qu'il faut vraiment que je fasse attention. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je sais qu'il y en a qui peuvent me demander ou pas. Il n'y a pas de contrôle de la descente, d'accord? C'est hop, on balance et on descend à allure normale. C'est pas on va faire un tempo, on va redescendre, non. D'accord? Là, on a une deadline, on a du temps, ok? Des programmes un peu plus durs, peut-être qu'on va en faire. Tout dépend si la série est appréciée ou pas, d'accord? Si je vois qu'au niveau des vues et tout, on est bien, même au niveau des commentaires, en fait, je m'en fous des vues. Si les commentaires à la demande, j'y vais. En vrai, je fonctionne comme ça. Les vues, c'est bien, mais la demande, c'est mieux. 3, 2, 1, go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En fait, là, je suis en train d'appréhender pour les deux dernières vidéos que je vais faire. Parce que je vais faire des programmes hardcore, des programmes durs, deux, ultimes. Il y aura une minute, mais ce qu'on va faire, ça va nous faire mal, vraiment. Vraiment, vraiment, et là, je vais plus parler. Et je vais la faire torse nu, je pense, parce que là, ça va être trop. Donc, si tu veux souffrir avec moi, ben, tu verras la vidéo après celle-ci. 3, 2, 1, on y va. Allez, il nous en reste pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En gros, en vrai de vrai, ce qui me fatigue beaucoup, c'est de compter à voix haute. Parce que je peux pas me concentrer sur ma respiration, sur bien respirer. Quand je compte à voix haute, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est comme ça. S'il n'y a pas un moteur pour te pousser, eh ben t'avanceras pas. Et si je peux faire office de moteur, temporairement, et ben c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est au round numéro 9, il nous en reste 2. Ok, c'est très très bien. C'est très très bien, bientôt fini. Oh. Après, il faudra que je fasse mon sac, enfin, il faudra que je fasse mes deux derniers programmes. Que je me repose bien avant, je fasse mes deux derniers programmes. Et que je fasse mon sac pour aller au travail. Ah, quelle vie. Et j'aimais bien cette vie-là où je te faisais des programmes et je m'asseyais sur ma chaise, sur mon bureau, je te l'ai monté directement après. Et alors que là, non, j'ai fini à 22h, ça va être compliqué. Et je serai très fatigué. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Ah!
Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous en reste une dernière. D'accord ? Une dernière. Ça veut dire que là, il faut pas partir maintenant. Ok ? C'est encore plus nul de partir maintenant que de pas voir la vidéo. D'accord ? Là, il t'en reste une, donc je veux que tu donnes à fond. Même si tu n'arrives pas à faire les 10 dernières, c'est pas grave, donne-toi à fond. C'est important parce que c'est la dernière et t'as pas fait tout ce chemin pour rien. Donc, reste concentré. Ça va, il nous reste 10 secondes. En plus de ça, il y aura les bruits de la cloche. On part après la cloche. Tu connais, t'es un habitué de ces programmes dans tous les cas. 4, 3, 2, 1. On y va, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quelle satisfaction quand ça finit. Oh là là, c'est incroyable. Le programme est terminé. J'espère que t'as kiffé, que t'as des bonnes sensations avec le bonnet qui descend sur mes yeux à cause du micro. Si t'as aimé, eh ben, fais-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important, d'accord ? T'as mon code d'âme sur MyProtein, si tu veux te procurer de la whey, des EAA comme moi, ou autre complément alimentaire, je t'invite à aller voir dessus. Et puis voilà, bon, moi, je vais me reposer, et je te prépare les deux derniers programmes hard à la maison avec Alter. Donc, sur ce, je te dis... Porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.